Donc nous sommes sur une plage, hein, n'est-ce pas? Et nous buvons un Bouillot 2010. Voilà, notre vin préféré. Et voilà, donc nous sommes là. C'est magnifique. En ce quoi d'ailleurs? En ce 4 juillet 2013, toujours. Voilà, je me permets de prendre un petit peu. Et à bientôt, au prochain épisode. Donc, je continue notre petite aventure sarde en ce mois de juillet 2013. Et là, nous sommes devant une langouste à la catalane. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi catalane? Pourquoi? Alors que nous sommes en Sardaigne. Donc, why catalane? Eh bien, parce que Eric, je ne sais plus l'histoire. Il y a une influence catalane. Ah voilà, il y a eu une influence catalane très forte vers Alguero, donc dans l'ouest, dans l'ouest sarde. J'ai vraiment une élocution parfaite avec le Bouillot 2010 que nous buvons. Pepper and salt. Ah, sal et pepper. Si, voilà. Si. Bon. Et ben voilà, donc je finis sur cette note festive de langouste à la catalane. Et je dis à bientôt. Voilà, tout simplement. Comment on dit en italien à bientôt? Allez, non, ça c'est au revoir. Non, non, on avait dit hier, on savait, ça fait marrant. Adopio. Donc, nous sommes en pleine dégustation de langouste et il m'est venu quelque chose à l'esprit. Pourquoi dit-on goût, gusto? Parce que langouste. Et je pense que... Alors, je ne parle un peu moins fort parce que c'est vrai que ça nous entrave. Mais en plus, j'ai vu qu'il y avait quatre yeux. Je pense qu'il y a quatre yeux. Dans les détritus, on peut constater qu'il y a plusieurs yeux. Alors, les yeux. Eric en a un. Alors, Eric en a un. Voilà. L'œil d'Eric, ici. Eric lui-même. L'œil de Véro. Mais, avant, nous avons rencontré deux autres yeux plus petits. Donc, je pense que la langouste a quatre yeux. Deux yeux majeurs, deux yeux, comment on pourrait dire, mineurs. Sceptique. Ah, Eric est sceptique. Donc, non, je pense qu'il y a quatre yeux. Bon, on va se documenter sur Internet, par exemple. À bientôt. Alors, bon, la langouste. Sardes 2013. Voilà les détritus. Mais, il faut quand même dire qu'il y reste encore des petites choses à manger. Et oui, alors regardons. Voilà. Et ça, je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment les petites pattes les plus fines de la langouste que nous laissons parce que c'est quand même pas pratique hein, à décortiquer. Faut bien l'avouer. Mais là, eh bien, je suis arrivée sur les conseils d'Éric Leroy. Mon mari, depuis 12 ans, et compagnon depuis 22, et je dois dire que la langouste est aussi le test fondamental d'un couple. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, la langouste, on se partage les meilleurs morceaux. Et là, nous voyons la générosité de l'autre, quand on dit « tu as eu ça, j'ai eu ça, tu as eu ça, j'ai eu ça ». Ou alors on pique les choses de l'autre. Voilà. Donc la générosité du couple passe par la langouste. À très bientôt.